Alors, il y a une chanson de 1979 qui s'appelle « Elle est d'ailleurs », que Icare a choisi aussi. C'est une belle chanson d'amour. Oui, ben, qu'est-ce que je n'ai pas pleuré sur cette chanson quand j'étais adolescent. Voilà. Tu es né en quelle année ? 83. D'accord, donc quand même 4 ans après. Non, mais du siècle d'avant, 1883. Icare, elle est d'ailleurs. Aveugle ou amoureux, elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien, mais si lointaine dans son cœur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a de ses manières de ne rien dire qui parle au bout des souvenirs, cette manière de traverser quand elle s'en va chez le boucher. Quand elle arrive à ma hauteur, pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Et moi je suis prêt à tout, les sillages vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe et ne répond. Les mots pour elle sont sans valeur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage. Je lui dis et ne répond pas. Les mots pour elle sont sans valeur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle est belle hein, cette chanson, ça fait plaisir de les réentendre. De l'entendre dans la bouche de quelqu'un d'autre, oui. Hein, parce qu'il se l'approprie, hein, c'est vrai, c'est bien. Oui, c'est vrai. Alors, cette chanson, Jacques, elle a été écrite comment, elle est d'ailleurs ? Alors, il se trouve que Pierre Bachelet, à l'époque, prépare son premier film de cinéma. Il a fait Emmanuel, la chanson, mais il ne veut plus chanter. Il a un accident de voiture. Le film est annulé, il se retrouve pendant des mois sur un lit d'hôpital. Et pour l'occuper, on lui amène une guitare. Et un copain vient le voir, Jean-Pierre Lang, et il lui dit bah, « Écoute, j'ai un texte ». Et Pierre Bachelet a mis ce texte en musique, et c'est devenu « Elle est d'ailleurs », qui a été son premier succès, 1 200 000 disques vendus à l'époque.